Dans cette vidéo, nous allons découvrir une nouvelle fonction de date. Il s'agit de la fonction fraction année. La fonction fraction année, elle permet de calculer la fraction d'une année d'un nombre de jours entre deux dates. C'est-à-dire qu'on va avoir deux dates, on va calculer donc l'écart entre ces deux dates et à combien de pourcentage d'une année ça correspond. Alors on va vous l'expliquer donc dans le concret. Là ici on a des employés. La date de début de l'année où la personne finit son contrat, donc on a la date de fin de contrat, et la date de début de l'année, donc là 2024, ici 2022, parce qu'il finit son contrat en 2024, Céline en 2022, etc., etc. Et à chaque fois, on va calculer donc la fraction de l'année qui a été utilisée. Égale fraction année, on va avoir toujours la date de début, donc la date de début, c'est la date de début de l'année, donc le 1er janvier XXXX. Ensuite, point virgule. La date de fin de contrat, parce qu'on veut savoir donc combien de pourcentage de l'année il a travaillé dans sa dernière année. Donc ici, on va calculer l'écart entre le 1er janvier et le 17 janvier, date de fin de contrat de l'employé. Et ensuite, on va avoir donc un référentiel qu'on va choisir. Soit on choisit donc sur un référentiel de 360 jours en moyenne, soit sur le réel par rapport à 360 jours en moyenne, le réel sans tenir compte des années bissextiles, etc., etc. Donc à vous de choisir votre référentiel. Nous, par défaut, on va utiliser le réel sur le réel, c'est-à-dire en 2024 en prenant le nombre réel de jours. Et donc ici, on va voir que le 17 janvier, enfin, quand il aura fini son contrat, il aura travaillé pendant 4% de l'année. On va les tirer vers le bas pour que ça le fasse. Donc ici, en 1er août, il a fait 58%, etc., etc. Donc ça peut être très intéressant, notamment par exemple pour calculer le montant de paye que doit recevoir l'employé par rapport au nombre de jours qu'il a travaillé dans l'année, donc au pourcentage de jours qu'il a travaillé dans l'année. Voilà pour cette vidéo fraction année. Là, on vous a montré un exemple parmi d'autres. À vous de choisir votre bon référentiel et à utiliser cette fonction comme bon vous semble. Pour découvrir d'autres vidéos, je vous invite à regarder la chaîne YouTube directement.